traverses the Kujibukwak National Park. 10 years ago, this coastal wilderness was home for several hundred families. But the then federal and New Brunswick governments announced establishment of the park. It was good news for the economically depressed region, but not for long. The landowners had to be expropriated and families uprooted from their homes. This man, Jackie Vautour, has become the focus of the Kujibukwak expropriation struggle. He's hated by his enemies, idolized by his supporters. After several years of negotiations, most families reluctantly accepted compensation and moved away, but not the 10-member Vautour family. Their struggle has been well documented. By 1977, the Vautour family was still holding out. Government officials ordered his home bulldozed into the ground. The Vautours then moved into this motel near Richibucto and refused to budge. In March of the following year, that brought the sheriff in eviction orders. Vautour still refused to move, saying the whole expropriation case was illegal. Well, I haven't saw the writ. I haven't saw the sheriff. I don't know that he was around. I have no intentions of looking at anything. If there is something there, I have no intentions of looking at it. Thing is, I am in here, and I understand all the other members of my family are in their rooms, and we're going to remain here. Several days later, the sheriff and RCMP officers returned. At dawn, the Vautours were forcibly removed from the motel. They faced 19 criminal charges. But the case was thrown out of court on a technicality. But Vautour wasn't a man to quit. He and his family returned to the park in the summer of 1978 and reclaimed his property. And despite another compensation hearing, he still refuses to accept defeat. He maintains people should never be forced to leave their homes. People should be allowed to live inside national parks. And he's still fighting the issue before the courts. The government has charged the Vautours and 8 other families with trespassing on park property. Vautour returned to court today to fight the case. Well, you've been fighting the expropriation at Kujibukwak for darn near 10 years. What drives you? What's your motivation? Why are you still doing it? The only motivation I can say is that we have everything before our lawyers, and lawyers are going to be able to say in this court today what the motivation is, I think. And I think this is the only thing that I can say now. You feel that the development of the park wasn't the right thing to do in the first place? I can answer that one. Is that to my own personal feelings is that the development of the park certainly hurt over 3,000 families. If the government loses this trespass case, observers believe the whole question of land ownership and park development will have to be reopened. For Jackie Vautour, there's always hope. Sandy McKean, CBC News, Moncton. April 3rd, angry demonstrators storm the park's administration building but are pushed back by riot-equipped RCMP officers. Police and Crown prosecutors are now reviewing the evidence, and charges may soon be laid against a number of the protesters. April 15th, federal and provincial politicians meet in Ottawa to try to find a solution to the 11-year-old controversy. Other meetings are planned. It was a useful discussion, and there is a good deal of agreement as to the kind of concerns that we've shared both federally and provincially, and I hope that as further exploration, we'll be able to find a resolution. But the anti-park protesters aren't giving up. Yesterday, a number of former landowners returned to the park and, as a symbolic gesture, reclaimed their land. Herve Cormier had accepted compensation for his 71 acres, but he says he's worse off now than he was then. Because we were free to go, we could hunt and we could trap in the area, and we were always making a dollar. And where we are now, there's nothing going there. You can't go and fish. I had to sell my rig in on account it was too far from the wharf, eh? Well, the only wharf we had to go either to St. Louis or Sapaw, and Sapaw Wharf was too small to accommodate all the boats that there was
if there are the wind there, see? If the government said you could come back, would you come back? Yes, I would. And I wouldn't be waiting too long either. I'd be coming right back. Luke Digg feels the same way. He was born and raised here and wants to return to the land owned by his mother. About 200 people took part in yesterday's demonstration. They burned an effigy of Senator Louis Robichaud. He was premier of the province when the park was established in 1969. Yesterday's demonstration was held to show the public that former landowners, not outside agitators, are fighting the park battle. And while it may have been symbolic, not symbolic is the protest of Jackie Vautour, the main figure in the long park struggle. Vautour is armed. He certainly is loaded. He says he's prepared to resist any attempts by police to evict him and protect himself from what he claims is a recent threat on his life. He received this letter from PEI, warning he would be shot dead if he continues the battle. But Vautour still believes it's a necessary battle, but he's not sure the politicians will find a solution. Well, it isn't a political level. And with all the political disruption that has happened in this area, is that it could turn out to be one of the largest political battles of this country. This was a scene filmed yesterday by the French arm of the CBC. About 100 protesters marched on an RCMP barricade, smashed and overturned two RCMP cars. 9 people were arrested, and today, 4 of them appeared in court in Moncton to face 10 criminal charges. Charges of damaging public property, assaulting police officers, and possession of dangerous weapons. Warrants have been issued for the arrest of 3 other protesters. Meanwhile, 2 RCMP officers visited the CBC today. They had obtained a court order to seize the film of yesterday's violent demonstration. It was the only news film shot during the clash between police and protesters. A CBC spokesman says the film crew arrived at the clash by accident. The crew was en route to another assignment at Baie St. Anne when they passed the park and saw the protesters gathering. The search warrant stated the RCMP wants the film as evidence. A spokesman for the CBC says police requested the footage late yesterday, but were told it could only be obtained by a court order. Copies of the film were made, and the 2 officers then seized about 200 feet of the film. That's about 6 minutes of film footage. Sandy McKean, CBC News, Moncton. Vautour and his sons were in and out of court, defending themselves and trying to have the expropriations declared illegal. In 1978, the Vautours and 8 other families became illegal squatters in the park, pitching tents on the land where they used to live. When winter came, they erected log cabins, which are still there today. Last fall, the New Brunswick Supreme Court ruled that proper procedures were used to expropriate the land and that the park squatters were trespassing. Vautour vowed he would not be moved without a fight. We're going to stay here. We don't want anybody to come and battle with us, but if they come, we'll wage a battle. When the Supreme Court of Canada refused to hear the case, supporters and former landowners descended on the park office and were driven off after a clash with riot-equipped mounties. Vautour and the 25 other squatters took no part in the demonstration, standing guard instead at their barricaded shacks. The violence, which even had mounties retreating yesterday, and the refusal to move without bloodshed, has presented a political dilemma for New Brunswick and Ottawa. The Hatfield government expropriated the land, and the federal government is responsible for law and order in the park. Hatfield doesn't want to succumb to growing public opinion here that force should be met with force. I think that we have got to, it's evidence that we've got to find some way of resolving that problem. Otherwise, I think that kind of an incident is apt to reoccur. The federal minister responsible for national parks, John Roberts, says the repeated violence is making it difficult to find a political solution. So the response that the Premier and I are discussing is not a response to
the kind of provocation we had yesterday. It's a response to the essence of the situation, which is a court determination, which we now have to assess in terms of the interests of the people of the area. It certainly is loaded. The squatters leave the politicians few options. They could send in the Mounties, which would create more violence and possibly death. They could give back the land, which would have repercussions for expropriations across Canada. They could slice off a part of the park and give it to the people. Or they could launch an investigation. They'll likely opt for the inquiry on the condition that the violence is stopped. Bob Allison, CBC News, in eastern New Brunswick. The one person most anxiously awaiting the results of the inquiry is Jackie Vautour. The 52-year-old Kent County man has been a thorn in the side of the federal and New Brunswick governments in his 11-year battle against the expropriation of land for the national park. Even today, he, his wife, and several of their nine children continue to live inside the park. They're squatters living in a one-room cabin without running water, plumbing, or electricity. As chairman of a local citizens committee, Vautour is convinced the expropriation of lands from some 230 families was illegal, and he won't rest until the land has been returned to the people. If we say, well, here, there's a Cushabuwak Park, and Jackie Vautour, okay, you can live in that park. No, that's not, there's no interest in that. You know, that's not interesting. That won't satisfy you. Well, certainly not. See, the thing is that the people owns the land. You know, what would I do as a family inside of a national park, you know, with no village? They tore down our churches, they tore down our schools. You know, what would we do here? The inquiry commissioners, in a public statement last January, were highly critical of the way the expropriations were carried out. But Ottawa and the New Brunswick government have spent millions and millions of dollars to resettle the families and develop the park. So it's unlikely the commissioners will recommend turning the land back to the people. Instead, there will probably be a series of recommendations aimed at improving the social-economic well-being of the expropriates, Jackie Vautour included. Sandy McKean, CBC News, Kent County. He's living in his Jeep, a stone's throw from the national park that's been the focus of his 13-year court battle. I stay here, well, right till dark each evening. And then from here, I take from here and I go back into old roads and gravel pits back in the woods. And I park there, crawl in my sleeping bag, and go sleep. He left the park in early August, left his family behind to abide by a court order that he'd ignored until then. And Jackie hopes that's the key to settling. Let's find out exactly where we all stand. You know, what I'm saying here is that when we're speaking of titles to properties, we're speaking of rights, and we're speaking of the Charter of Rights, we're speaking of the Constitution right, and before that we had the DNA Act, and, you know, all those things were there to give the rights to the people, but I think the people never went out and got it. For some, he's a nuisance. For others, he's the little man taking on the system. And Jackie never accepted the bulldozing of his and other homes to clear land for the park. And his conviction and the passions they caused sometimes led to violence. There was a lack of humanity in the way they were... The park is legal, and a study commissioned on the issue said there was no turning back the clock. Still, Jackie hangs tough. I'm not discouraged. I'm, in fact, I'm more encouraged than ever. With only the Bible for company and his long-standing convictions for strength, Jackie Vautour awaits a court decision that could finally get him off this highway and end his saga. Justin Boucan, CBC News, on Highway 11 North, near Cushabuwak National Park. The Silver Birch Motel has been Jackie Vautour's home for the past year and a half. Vautour was evicted from his two log cabins in Cushabuwak National Park and has been living at the motel at taxpayers' expense until the courts could decide his fate. Now the Court of Appeal has dismissed Vautour's two appeals to take his case to trial. Vautour says if he can't win his case in Canada, he'll take it elsewhere. We already spoke of the matter of going to the United Nations, because if we can't be heard here
in Canada, if we can't get a fair trial, a fair play in this matter, to present our evidence concerning the expropriation, which we call illegal, and also to present the titles, the deeds that we have to the land. If we can't do that in Canada here, then we'll have to go to the United Nations and try to get it understood and have fair play in the matter there. Mutur says he'll meet with his lawyer in Fredericton on Monday to discuss the appeal court ruling. And he says he'll be moving out of the motel and back into his cabin soon. And the battles in the park could start all over again. Andre Vigneault, CBC News, Richibucto. For 18 months, the province paid for Jackie Vautour's motel bill, estimated at between $25,000 and $30,000. The province and Vautour had come to a mutual agreement. It would pay his motel bill if he moved out of his one-room shack in Cushabuguac National Park until the Court of Appeal heard his case. The court dismissed Vautour's appeal, so today he checked out of the motel to go back to the park, the place he calls home. And being able to be free, at least with my family, and free on the land that I won't be harassed at that moment, is, it doesn't matter too much about the living conditions at that moment. I think the family and the right to the land is the most important thing of all. Vautour's wife and his two daughters have lived in the shack since he moved out in 1983. They were on hand today to greet him, as were his supporters. Vautour says he'll ask the Supreme Court of Canada to bring this 16-year-old battle to its close. Until all legal options are exhausted, Parks Canada says it will leave Jackie Vautour in peace. Andre Vigneault, CBC News. Jackie Vautour won't come out of his hut in Cushabuguac Park to talk to us on camera. He won't let us bring our equipment inside. It's the first time in his 16-year battle to get his lands back that he's refused us an interview. He's bitter. He says he's tired of fighting with words. He's going to wait to see what the authorities do, if they proceed with an eviction order that they put on hold while he's been appealing his case. And he won't say what he'll do if they go ahead with it. Vautour built these lean-tos here in 78, 9 years after the creation of the park, 2 years after he was forced to leave his neat white bungalow bulldozed to the ground. Parks Canada has allowed him to stay while he's fought the expropriation in the courts. But the legal battles are over now. The Supreme Court of Canada is as high as you can go. Vautour has always said that he'll die defending his land. What I'll do, I own this land, and I'll die owning it. A few years ago, the Vautours were toting guns on this land. They won't say if they still have them here, just that they're disappointed and upset with the system. Vautour has been a hero to some Acadians who equate the expropriation with the 18th century expulsion. Supporters marched on park offices a few years ago, demanding that they be closed. Park officials are cautious now, waiting to see what Vautour does before deciding whether to evict him and his family. Jackie Vautour is getting ready for winter, chopping wood to keep himself and his family warm in these shacks off Route 117. His house once stood here, but in 1976 it was bulldozed to the ground. Jackie had refused to move out of the park. In 1978 he built these shacks. Parks Canada didn't evict him while he fought his expropriation in the courts. That battle is now over. The Supreme Court of Canada refused his lawyer's request to hear appeals in the Vautour case. He's 57 now and a grandfather. Vautour says his fight has been worth it. Because it is a great cause. It concerns privately owned property. And when you are fighting for private property, I think it concerns all the people. And, you know, while it concerns them, it concerns me. Last week, a provincial government official came to talk with Jackie about the future. But money wasn't mentioned. There's another meeting scheduled for next week. In the meantime, Jackie Vautour says these 450 hectares are his, and he wants the chance to prove it in the courts. Until then, he defies anyone to remove them. I'm the one who suffered. Parks Canada didn't suffer. The RCMP didn't suffer. The government didn't suffer. We are the ones who suffered, and we suffered enough to die for it now. And if that's what they want, that's what they'll get. If they have to do that, it's up to them. But I'm still claiming the property, and it's mine. And it's going to be mine, too. And when Jackie Vautour dies, the boys will take it over. But they'll have to kill us all. Andre Vigneault, CBC News, La Fontaine, Cushabuguac National Park.
À entendre les témoignages aujourd'hui, on n'aurait pas cru que l'incident s'était produit au même moment et au même endroit. Deux gardiens de Couchibouguac ont affirmé que le 12 octobre, vers midi, ils ont découvert de la viande d'orignal cachée dans le parc, près de la route 117. Un des gardiens serait alors resté sur place pour surveiller. L'autre serait allé chercher du renfort. Le surveillant entend alors un bruit de véhicule, se cache et alerte ses confrères qui arrivent entre-temps. La Jeep de Jackie Voto reste là quelques minutes, puis revient sur la 117. C'est là que l'histoire se brouille. Les gardiens affirment qu'ils ont alors tenté de bloquer le chemin de la Jeep qui leur est entré dedans. S'ensuit une altercation et un coup de poing de Vautour au visage du gardien bossé. La version de Jackie Vautour est bien différente. Il soutient qu'il était allé voir pour du bois sec le 12 octobre et qu'il s'est fait littéralement attaquer à son retour sur la 117. Vautour a affirmé que c'est la voiture de Parc Canada qui lui est entrée dedans une première fois et qui lui a ensuite coupé la route sans plus de préavis. Quant au coup de poing, Vautour affirme qu'il se défendait et ajoute qu'il aurait peut-être dû utiliser son pied. 1969, sous le gouvernement libéral de Louis Robichaud du Nouveau-Brunswick, l'entente est signée pour la création de ce parc national. Les conservateurs de Richard Hatfield prennent le pouvoir qui hérite de la lourde tâche d'exproprier 230 familles acadiennes. Mais Jackie Vautour, lui, refuse de quitter sa terre et toute sa façon de vivre aussi. En 1976, c'est de force qu'il est expulsé, sa maison est réduite en poussière. Lui et sa famille vivent dans un motel de la région. De nouveau, il est évincé des lieux de force pour le non-paiement du loyer. Parallèlement, Jackie Vautour conteste toujours devant les tribunaux son expropriation. Mais le dissident n'était plus seul. Les manifestations de solidarité se multiplient. Le combat de Jackie Vautour contre un gouvernement était en quelque sorte aussi celui des nationalistes acadiens qui voyaient dans cette lutte un symbole de leur oppression. On a commencé à les exproprier, à se terminer la violence. Au jour où on était avec un bulldozer porté sur la maison d'un être humain. Jackie Vautour est retourné vivre sur ses terres dans le parc en 1985 dans une habitation de fortune sans électricité ni téléphone. Depuis, sa présence dans le parc était illégale, mais tolérée. Jackie Vautour accepte finalement de s'en aller, mais à contre-cœur. C'était devenu une voie sans issue. Fatigué, mais aussi amer de cette lutte qui a duré près de 20 ans, Jackie Vautour avait peur de tuer quelqu'un, sinon d'en finir lui-même avec la vie. Un reportage d'André Fortin. Jackie Vautour accepte de quitter sa terre dans le parc Couchibouguac parce qu'il n'a plus le choix. Sa famille a suffisamment souffert, dit-il. J'ai accepté le règlement pour rapport à la souffrance de ma famille. Je sais que ma famille était en souffrance pour des années, et puis c'est pour ça que j'ai accepté ce règlement-là. Il a signé l'entente avec le premier ministre sortant, Richard Hatfield, juste avant son départ la semaine dernière, car il affirme ne pas faire confiance aux libéraux de Frank McKenna. Il blâme aussi l'ex-premier ministre libéral Louis Robichaud pour avoir voulu créer un parc à tout prix. Jackie Vautour est amer aujourd'hui envers certains leaders acadiens. Selon lui, ils l'ont laissé tomber. Il considère que son départ est une défaite pour l'Acadie. Sans trop de conviction, il demande à Frank McKenna d'instituer une enquête royale dans le dossier Couchibouguac pour que justice soit faite. À ceux qui critiquent la somme de 228 000 $ en plus de 125 arpents de terre qu'il reçoit en guise de dédommagement pour quitter le parc, il leur répond ceci. Ce qui s'est fait avec l'argent, que le monde pense que c'est faux, qu'ils pensent que c'est pas assez, que diable les emportes, ça ne fait rien, moi, ça. Parce que moi, c'est ma pensée à moi. Moi, c'est mon terrain, ça fait. Puis c'était le terrain des gens. C'était les terrains acadiennes. Moi, l'argent, puis ces choses-là, ça ne fait rien, moi. C'est dans l'entente conclue avec le premier ministre sortant du Nouveau-Brunswick, Richard Hatfield, M. Vautour doit quitter sa terre d'ici au mois de juin 1988. Toutefois, il est possible qu'il passe un autre hiver ici, d'autant plus qu'il y a certains problèmes juridiques concernant l'acquisition de sa nouvelle terre à Rexton. Ici Guy Leblanc, au Parc national de Couchibouguac. All along this here, that's my property, and we can go for about 3/4 of a mile further on this way, down the other way, across the road, across the highway, and down the other way. There's another distance along the shore frontage. There's a mile and a half of shore frontage. I don't want to be remembered as a hero. I don't want to be remembered as a demonstrator. I do not want to be remembered as a troublemaker. I want to be remembered that I had rights that I believed in. And those rights, of course, were never applied to me. Me and my wife, when we
signed the document with the premier on October the 26th. The check was there, $228,000. You know what it said to me? Just like an ordinary piece of paper. I passed it over to my wife, and I said, throw that in your purse. No, it was nothing. Parks Canada are responsible for all the sufferings that the people went through. I'm not speaking only of my family, but for others. And this was the responsibility of Parks Canada with their dirty rules and their dirty applications of what they did to the people in this area. My beliefs are that people that are living in two areas, people living on the lands and wherever they are, should have the right to choose between the way they want to live and the way that other people want them to live. I want for my family to be able to start living. They have not been living since at least 1976, when my home was bulldozed to the ground. You know, I was 58 years old, and I was getting to a certain point where I says, well, hell, you know, if I don't do something for them, there's never going to be anything done. And, you know, it was to choose between me going out and telling you factually right here and now that to choose between going out and killing those Park Canada bastards or to choose to sign that agreement with the Premier of the province of New Brunswick. I request of the Nikana powerful government of the province of New Brunswick to request that a Royal Commission of Inquiry be carried out on the validity of the expropriation and the illegal occupation of the lands by Parks Canada and the expropriation carried out under the National Parks Act, New Brunswick. You know, I got 125 acres of land elsewhere, but I don't believe none of that at all, because this was my place and this was supposed to be mine, and I still believe it's mine. Yesterday, Jackie Vautour held what he called his last news conference in front of the shack that's been his home for 9 years. A week ago, Vautour stunned the province when he signed an agreement with outgoing Premier Richard Hatfield to leave Cushabuguak National Park. As part of the deal, Vautour got $228,000, 125 acres of Crown land near Rexton, and $50,000 to pay his lawyers. But 17 years of fighting against expropriation wasn't dulled by one signature. Vautour had a new demand, this time of the McKenna government. But I have to stay by my belief that the lands were never expropriated, and I'm asking the government of the province of New Brunswick to look into it, and that there should be a full inquiry. And I think people would be behind me on this. Today, Premier Frank McKenna said there will be no inquiry. It's been a very sad event in our province, and all the Brunswickers are deeply touched by the human tragedy involved in it. We've learned from it. Things are being done differently now. The lessons of Cushabuguak are being utilized all across the country. I don't think that we need to traumatize New Brunswick any further. I believe it's a chapter that should be closed as and so. Depuis 1976, Jackie Vautour vit en squatter sur son ancienne terre qui fait maintenant partie du parc national Cushabuguak. Il demeure avec son épouse dans un modeste logis sans électricité, sans eau courante et sans téléphone. On est habitué, mais c'est fort quand même, c'est dur. C'est vraiment dur. Quand on est revenu aux terres, parce qu'on a défait ma maison, on s'est mis dans des tentes. Puis après ça, on a construit des petits camps. Là, ensuite, on a rentré dans cette petite roulotte ici. Puis, c'est pas... On vit pas comme d'autres mondes. On vit, c'est comme quoi ce qu'on vivait couple de cent ans passés. Même après plus de 20 ans de lutte, marquée par plus de défaites que de victoires, Jackie Vautour croit toujours dans la cause des expropriés. C'est les Acadiens qui ont été défaits ici aussi. Puis il faut pas oublier ça. La cause acadienne, là, en 1755, ça remet oublié. Et puis, pourquoi oublier l'affaire de Cushabuguak, qui était dérangé 230 familles aussi. Hein? S'il se dit toujours prêt à se battre pour permettre aux expropriés de regagner leurs terres, il est déçu du peu d'appui des organismes acadiens. Ça m'a déçu parce que
Quand on est revenu, j'étais assez fier de l'Acadie, comme j'ai toujours été, que j'avais haussé le drapeau acadien. Et puis, il flottait ici, dans ma cour. Puis j'étais vraiment fier de ce que je faisais. Mais la SANB, puis les organismes acadiens, ont laissé tomber le drapeau. Même si pour la population en général et les gouvernements, l'affaire Koufibouguac est une affaire classée, Yaki Wautour attend toujours la création d'une commission royale d'enquête qui viendrait faire la lumière sur l'expropriation. Maintenant âgé de 66 ans, Yaki Wautour ne monte plus aux barricades. Il s'est résigné à une résistance tranquille. Sa détermination reste toutefois inébranlable, même si à certains moments, il a eu des doutes. Il y a eu des moments que j'ai pensé fort à cause de ma famille, à cause des situations avec Paul Bacob, comme je disais tout à l'heure. Mais individuellement, personnellement, j'aurais jamais abandonné, ni j'ai abandonné non plus. Guy Leblanc, au Parc national Koufibouguac. Le plus lent procès. Bonjour, ici Simena Vergara. Aujourd'hui à Trajectoire, Roméo Savoie. Un artiste peintre qui a aussi été architecte, il publie des recueils de poésie et donne aussi dans la scénographie, en théâtre. Nous le rencontrons aujourd'hui dans son atelier pour y découvrir un homme complètement habité par sa première passion, la peinture. Nous ferons la connaissance de Yaki Wautour, une légende vivante en Acadie. Un homme qui vit toujours en squatter, illégalement sur son ancienne terre. Mais notre histoire aujourd'hui commence de l'autre côté de cette rivière velée, à Robichaud, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Roméo Savoie vit seul et isolé dans cette maison qu'il a construite lui-même de toutes pièces. Je vous propose de découvrir ensemble ce qui fait de Roméo Savoie un des plus grands artistes que l'Acadie ait produit. C'est par la peinture que j'ai appris la vie. C'est par la contemplation du tableau que j'arrive à savoir qui je suis. Parce que la quête, d'abord moi, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, moi, ce corps ici, Roméo Savoie, qu'est-ce que tu fais sur cette planète qui s'appelle la Terre? Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Ça c'est ma quête. Ma première quête, c'est ça. Hein? À travers l'architecture, mes études, tout ça, je n'arrivais pas à me concentrer sur cette question-là fondamentale que je trouvais. Et c'est en pratiquant la peinture, dans ce processus de contemplation du tableau et faire le vide pour que émerge ce qu'on a appelé l'inspiration, j'ai vu ce qu'il y avait dans le tableau. Et ce qu'il y a dans le tableau, c'est moi. Et j'ai pu voir qui j'étais. Avant, je ne savais pas qui j'étais. Maintenant, je sais qui je suis. Et je sais aussi ma place. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Et c'est la peinture qui m'a appris ça. C'est rien d'autre. Sensible à ce qui se produit dans son milieu, Roméo Savoie réagit aux injustices commises contre son peuple. Koufibouguac, nom dans l'histoire acadienne qui le ramène encore aujourd'hui à cette rage ressentie il y a plus de 25 ans. Sentiment que l'on retrouve dans ses toiles et poèmes qui en ont découlé. De véritables cris d'indignation et de résistance. Mais lorsqu'il y a eu un événement comme Koufibouguac, par exemple, ma colère a fait surface. J'en étais, c'est une émotion qui arrive, sur laquelle on n'a presque pas de contrôle, parce qu'elle est là, parce qu'elle nous habite. C'est en 1968 qu'on a décidé de créer le parc national Koufibouguac, un territoire situé le long de la côte sud-est du Nouveau-Brunswick. Les documents de création du parc ont été signés par Louis Robichaud, alors premier ministre de la province, et Jean Chrétien, ministre responsable de Parc Canada. L'objectif était de relever l'économie de la région en développant le secteur touristique. Pour établir le parc, il fallait toutefois déloger environ 250 familles éparpillées dans 8 petits villages. Le mécontentement s'est installé rapidement dans la population lorsque les gens ont réalisé le montant dérisoire des indemnisations. La cause des expropriés de Koufibouguac est devenue en peu de temps la cause à la mode en Acadie. Certains évoquaient même le spectre d'une deuxième déportation. L'un des expropriés, Yaki Wautour, s'est imposé rapidement comme le leader incontesté de la résistance.
Ils considèrent l'expropriation comme illégale et estiment que les expropriés doivent reprendre leurs terres. Ils réclament aussi une commission royale d'enquête pour faire la lumière sur toute l'affaire. Mais comme les gouvernements sont déterminés à mener leur projet à terme, la région de Koufibouguac sera le théâtre de nombreuses confrontations avec les forces de l'ordre à partir du milieu des années 70. Durant tout ce temps, Jacky Vautour est-elle seule, avec sa famille, à refuser de quitter le parc. Mais le 5 novembre 1976, profitant de son absence, Parc Canada a fait raser sa maison avec un bulldozer. C'était compté sans la ténacité et la détermination de Jacky Vautour, qui est revenu s'y installer dans des abris de fortune l'hiver suivant pour continuer sa lutte. Peu après, il intentait une poursuite contre la province pour intrusion et demandait à la cour d'invalider toute expropriation. Héros pour les uns, casse-pieds pour les autres, Jacky Vautour s'est retrouvé plus souvent qu'à son tour devant le juge pour défendre ses actions. Il n'a pas obtenu gain de cause devant les tribunaux. Jacky Vautour a forcé la création par le gouvernement fédéral d'une commission d'enquête en 1981 qui a conclu que l'expropriation n'avait pas été faite de façon adéquate et a recommandé une augmentation des indemnisations. J'ai jamais compris comment il se fait que des personnes, tu sais, comme le premier ministre du temps et celui qui nous représentait, qui sont de nobles personnages, puissent accepter de détruire un village parce qu'eux avaient raison. Ils avaient raison sur les gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'ils avaient plus raison par rapport à la vie que les gens qui étaient là. Il y a une espèce de grande naïveté là que je ne comprends pas. Hein? Et Pierre aussi était un très grand naïf. Hein? Lorsqu'il a pensé qu'il devait détruire les gens, qu'il devait les tuer. Ça prend une très grande naïveté pour penser ça. Et qu'on pense également qu'on peut détruire un village. Pour quoi? Pour en faire un parc d'amusement. Pour les étrangers, c'est affreux. Comme je voulais pas que ça meure, tout ça, je l'ai écrit dans un poème. Hein, et je l'ai fait en tableau. Je l'ai fait en tableau, je l'ai fait en 3 ou 4 tableaux. D'ailleurs, j'ai un tableau ici qui s'appelle les 12 premiers anniversaires de Koufibouguac, où il y a 12 paquets de 12 bougies qui sont ficelés par un élastique, qui a été recouvert avec de la cire d'abeille, qui sont collés dans le tableau. Et le premier tableau était le premier tableau que j'ai fait de Koufibouguac, et en dessous. Et le deuxième tableau de Koufibouguac, et j'ai recouvert ce tableau-là avec un pigment, avec c'est-à-dire un pigment sec, hein, une poudre de peinture, et j'ai essuyé le tableau. J'ai recouvert le tableau qui s'appelait Koufibouguac de cette poudre-là, qui a la couleur du sang de bœuf séché. Et j'ai collé les 12 anniversaires de Koufibouguac. Et il manquait un élément. Il manquait un élément de la terre. Et j'ai pris un morceau d'arbre, j'ai fendu, j'ai pris juste l'écorce de l'arbre et je l'ai collé dans le tableau. L'arbre, c'est quoi? C'est le symbole de la vie. Puisque c'est sa passion pour la peinture qui l'habite complètement depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, à 66 ans, son énergie créatrice ne se limite pas qu'à la peinture. Il se consacre aussi à la poésie et à la scénographie pour le Centre national des arts d'Ottawa. L'envie de se surpasser constamment, d'être à l'écoute de ses désirs les plus profonds, ont fait basculer sa vie. J'aime bien l'architecture, c'est... C'était que je faisais 10% de création, au lieu de faire 90% de création. Et du moment que je me suis rendu compte de ça, j'ai bifurqué l'instinct. L'instinct était très fort chez moi,
Et j'ai bifurqué, j'ai tout détruit autour de moi d'une façon assez catastrophée, qui n'est pas très élégante. De toute façon, je ne suis pas très fier de ça. Non au niveau de la fierté, mais je suis content d'avoir eu suffisamment de courage de le faire envers et contre tous, parce que j'avais trouvé ma vraie nature, qui est celle-là. Ce qui m'a marqué énormément, c'est dans un petit village en Hollande, le petit village qui s'appelle Delft, parce que j'étais à Paris, j'avais vu Notre-Dame de Paris, je me suis dit, bon, je suis capable de faire ça, je suis architecte, je suis capable de faire Notre-Dame de Paris. Je sais comment ça se conçoit, ça. Et je suis arrivé à Delft, devant une petite galerie, et dans la vitrine, il y avait un tableau minuscule, rouge. Je sais qu'il était rouge, je ne sais pas de qui, je ne sais pas qui l'a fait. Et j'ai regardé ça et j'ai dit, je ne suis pas capable de faire ce tableau. Et c'était fini. À ce moment-là, j'ai découvert que c'est ça que je voulais faire. Ça, c'était en quelle année, en 64, 65. Et tout de suite après, je suis allé en Espagne et je me suis enfermé dans un atelier pour peindre pendant... Enfin, pour peindre, c'est-à-dire, je n'avais pas pris de cours de peinture, je n'avais pas d'entraînement spécialisé. Je me suis enfermé là pour voir si j'étais capable de peindre, tout de suite. Parce que j'aurais été capable de faire une cathédrale, mais je ne pouvais pas faire de petits tableaux, tu vois. Il y a une espèce de... Il y avait un exemple, là, pour moi, et j'ai pris l'exemple. C'est-à-dire, mon instinct était suffisamment éveillé pour que je comprenne ce message. Et après 3 mois de travail, j'allais trouver un peintre français qui était en Espagne. Et je lui ai dit, viens voir ce que j'ai fait, ces 3 mois de travail. Et je lui ai expliqué ma situation, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que je peux être peintre? Et il m'a dit oui. Et ma vie a changé. La peinture représente toujours un défi, une quête. Le corps penché sur son tableau, toujours à genoux, Roméo Savoie se rend disponible à l'énergie et à la force devant ses toiles. Les formes qui s'y trouvent feront surface d'elles-mêmes. C'est-à-dire que je me place sur une chaise, comme ça, devant un tableau blanc, et j'attends. Ben, je peux passer un mois, là, à attendre. C'est-à-dire que, en général, les gens sont pressés, ils veulent que les choses arrivent tout de suite. Hein? Donc, ben, je peux faire des tableaux tout de suite, hein? J'ai 25 ans d'expérience, donc je peux mettre de la peinture sur un tableau, mais ça ne me donne rien. Ça va donner un tableau qui peut être agréable à voir, mais il n'y aura absolument aucune profondeur dans le tableau, aucune énergie positive dans le tableau. Pour lui donner cette énergie-là dans le tableau, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et pour que ça vienne de l'intérieur, il faut que j'enlève chez moi toutes les barrières qui m'empêchent ou que j'empêche moi-même cette énergie privilégiée à passer. Hein? Alors vous asseyez en silence? En silence, et j'attends. Ça peut durer combien de temps? Ben, comme je vous ai dit, ça peut durer un mois, mais en général, ça ne dure pas un mois, ça dure 2 jours. Je ne sais pas, c'est jamais pareil. Parce qu'en général, on bloque constamment l'instinct. Par la pensée. On a privilégié d'abord la pensée dans notre siècle. On lui a donné la première place. C'est la pensée qui bloque tous nos... Il y en a qui disent désir, instinct, tout ça. Et pour que ça revienne ou que ça refasse surface, pour que la chose ne soit pas identifiée à l'ego, hein, il faut que ça parte de l'instinct. Ça ne peut pas partir d'autre chose. Ou de l'âme, si tu veux. Tu préfères. En comparant ses propres tableaux, Roméo Savoie découvre ce qui fait la force d'une œuvre plutôt qu'une autre. Cela résulte toujours de son état de disponibilité, d'un moment où l'énergie passe par le centre même du peintre, sans aucune obsession de l'ego. Et après 15 ans d'observation comme ça, je me suis rendu compte
que le tableau était créé lorsque je n'avais absolument aucun désir par rapport au tableau. Aucune présence, aucun désir. J'ai pas envie de faire un beau tableau, j'ai pas envie de traiter tel sujet, j'ai pas envie de faire un paysage avec une maison à gauche puis un arbre à droite, et que ça soit bien balancé avec tout ça, la petite technique qu'on connaît en peinture, que je laissais. Je me laissais tellement ouvert que je peignais sans savoir que je peignais. Que j'étais devant le tableau en train de mettre de la peinture, mais je ne savais pas que j'étais en train de mettre de la peinture. C'est seulement par la suite que je voyais que j'étais en train de peindre. Et après, j'observe le tableau et je découvre le sujet. Je découvre dans le tableau le sujet qui avait surgi de mon inconscient. Et après avoir travaillé de cette façon-là pendant, je ne sais pas, sur 5-6 tableaux, je vois qu'il y a le même sujet qui existe. Et à ce moment-là, je suis responsable du sujet qui est là. Arrêter, s'asseoir et attendre, puis les choses arrivent. C'est comme si quelqu'un décide de faire un poème, ou qu'il se met devant la feuille blanche et dit « Maintenant, je vais faire un poème. » Il va rater son coup. Hein. Il faut qu'il se mette tout simplement... C'est pour ça que mes écrivains se mettent régulièrement devant une feuille blanche, tous les jours à la même heure, et ils attendent. Ils attendent que les choses se passent. Hein. Je pense que l'être humain est juste une espèce de catalyseur, ou l'artiste est un catalyseur, pour prendre certaines énergies qui passent. Et pour ça, il faut être ouvert, il ne faut pas être fermé. Fermé, ça veut dire que maintenant, je vais écrire un poème, je vais écrire ce livre, et là, on rate le poème. On va écrire quelque chose, mais on va rater le poème. Après la pause, Roméo Savoie nous présente ses derniers tableaux. Dans les œuvres des dernières années de Roméo Savoie, le noir prend presque toute sa place. Le défi technique de travailler le noir est d'autant plus grand pour réussir les textures, pour faire ressortir la présence de lumière et de nuances dans la couleur. Roméo cherche à marier la peinture à la pensée, à la poésie, pour nous créer ses émotions, ses impressions. Il y a plusieurs raisons, là. Une des raisons que, oui, je parle de la mort parce que je parle de la vie. Et si je parle de la vie, il faut que je parle de la mort. Hein? Parce qu'on montre la vie en montrant le contraire. Si on montre la mort, les gens vont dire, voici, parce qu'ils n'ont pas peur de la vie, ils ont peur de la mort, mais ils n'ont pas peur de la vie. Donc si tu montres la mort, peut-être qu'ils vont trouver que la vie, c'est précieux. Hein? Mais si tu montres la vie, ils vont regarder, ils vont rigoler. Donc je pense qu'il y a ce phénomène-là. Je veux montrer, comme je traite la vie, je veux montrer la mort aussi. Et comme il y a énormément d'écriture dans mes tableaux, hein, il y a souvent des choses écrites, même quand je travaille dans, je sais pas, une quinzaine de couches, j'écris parfois de longs poèmes dans les tableaux, je le couvre. Il y a toute une histoire derrière dans les tableaux. Et comme je suis un peintre de la matière, il faut qu'il y ait une matière qui signifie l'écriture. Et c'est l'angle de chimie. C'est l'angle de chimie. Je ne peins jamais avec de la peinture noire. C'est pas de la peinture noire. Ah, c'est l'angle de chimie. Oh, j'ai dû faire dans ma vie, je sais pas moi, 2000 tableaux, 3000 tableaux, je sais pas. Et je ne sais toujours pas comment faire un tableau. J'ai pas une recette pour faire un tableau. La seule chose que j'ai appris, c'est comment m'ouvrir. Moi, l'individu, je ne suis pas un tableau, je ne suis pas une matière peinture, moi je suis un corps. Hein? Comment m'ouvrir moi pour que passe à travers moi une espèce d'énergie qui se transmet sur le tableau, comme un message qui se transmet sur le tableau. Hein? Mais si vous voyez la peinture comme ça, il n'y aura jamais de fin. Il n'y aura jamais de fin. C'est ça que je vous dis. Cinq vies. Quand cinq vies, c'est ça, c'est... Roméo Savoie a présenté plus de 60 expositions solo ou en groupe au Canada et à l'étranger.
Son talent a été souligné notamment par le dernier prix d'excellence du Nouveau-Brunswick dans le domaine des arts visuels. Sa dernière série d'une vingtaine de tableaux, intitulée Falling, lui demande de faire face à une forme humaine. Cette fois-ci, en travaillant sur des plus petits tableaux, quand j'étais à Montréal il n'y a pas tellement longtemps, il y a 3 semaines, j'étais là pendant 5 semaines, j'avais pas d'atelier, donc j'ai commencé à peindre sur un bureau normal de 3 pieds par 5 pieds, et je travaillais sur des petits tableaux, des petits formats, et avait surgi la forme du corps qui tombe dans l'espace. Et tableau après tableau, la forme apparaissait. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai dit, il faut que je m'occupe de cette forme-là. Alors j'ai commencé à travailler sur des papiers qui étaient un peu plus grands, et toujours la forme était là. Hein? Et lorsqu'une forme apparaît d'une façon aussi évidente, je suis obligé de la traiter. Elle commence à se dessiner, hein? C'est une femme qui tombe, son corps est comme ça, là, sa tête est là. Non, sa tête, mm-hmm. Sa tête est là, son bras, ses seins, et elle est en dehors du tableau. Elle arrive dans le tableau et elle bascule. Elle tombe dans cet espace-là. Et c'est cette forme-là que vous résistez d'une certaine façon depuis quelque temps? Non, je... Mais comme je ne suis pas un peintre réaliste, il n'y a absolument aucune forme qui rentre dans mes tableaux, sauf récemment, il y a cette forme-là qui s'est imposée. Et avec lequel je suis obligé de travailler, hein, parce que ça vient de l'inconscient, du subconscient, parce que la façon dont je travaille, c'est beaucoup plus de cette façon-là, je laisse arriver la forme, et la forme qui arrive, je dois la traiter. Mon rôle de peintre, c'est de traiter la forme qui se présente. C'est jamais moi qui décide d'imposer une forme au tableau. Hein. Mm-hmm. Mon processus de toute façon de peinture, c'est beaucoup plus une sorte de contemplation sur le tableau. Et je ne pense pas au tableau, je fais le vide en moi et autour de moi. Je travaille d'abord dans le silence. Et je n'agis pas sur le tableau avant que j'aie une grande intuition de travailler sur le tableau. Ça fait longtemps que je traite, ça fait peut-être 15 ans, 12 ans qu'il y a cette présence de cette forme, elle est toujours là, et elle n'a jamais pu passer à travers les barrières de mes résistances. Je viens juste de m'ouvrir assez pour qu'elle puisse sortir, cette forme. Et je trouve que c'est une forme extrêmement importante, hein, et ben, je suis obligé de recommencer à dessiner le corps humain. Que j'ai laissé de côté depuis très longtemps. Aujourd'hui, le calme est revenu à Kouchibouguac. Il y a longtemps que le dossier des expropriés ne fait plus la manchette des journaux. Mais Jackie Vautour est resté fidèle à ses convictions. Depuis près de 20 ans maintenant, il vit en squatter sur son ancienne terre et continue de réclamer justice. Il demeure avec son épouse Yvonne dans un modeste logis, sans électricité, ni eau courante, ni téléphone. Les autorités ont décidé de le laisser en paix, de l'oublier, dans l'espoir qu'il finisse par abandonner. Mais Jackie Vautour n'est pas prêt à entrer dans le rang. S'il ne monte plus aux barricades, il a adopté la résistance tranquille comme mode de vie. Est-ce qu'il y a des moments, de découragement que vous avez envie de tout lâcher? Il y a eu des moments que j'ai pensé fort à cause de ma famille, à cause des situations avec Paul Bacob, comme je disais tout à l'heure. Mais individuellement, personnellement, je n'aurais jamais abandonné, ni je n'abandonnerai non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne cette force-là de vous battre contre les autorités? Je ne sais pas. Des fois, je me pose la question si Dieu lui-même ne m'aidait pas dans l'affaire. Parce que, après tout, si tu fais les choses justes, je crois que tu peux avoir l'aide d'ailleurs. Moi, j'ai toujours cru dans ce que je faisais, puis je crois encore. Ah, parce qu'il y a définitivement des choses qui nous dépassent. Puis je n'ai pas besoin d'être un grand sage là, pour dire ça. Hein. J'ai rien qu'à regarder une petite violette. Hein, et je sais que je ne suis pas capable
de la reproduire. Et je sais aussi qu'il n'y a personne, depuis le début des temps, qui a été capable de reproduire une fleur, une brindille d'herbe. Alors il y a certainement quelque chose qui le dépasse. Hein. Je t'en prends plus d'exemples que celui-là.